Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je crois que c'est la première fois que j'y mets loulou. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. Attendez. D'abord, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. De toute façon, vous avez tout intérêt à aller bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo que je m'inspire des vidéos anglaises, pour être totalement honnête avec vous. Je ne sais pas si ça a déjà été fait en français. C'est pour ça que je le fais moi en français. Puisque je suis une toilette, oui, puisqu'on est bien sur le compte de Madame Toilette. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des trucs qui se trament sur MSP, du style, on recycle des objets et on se fout de la gueule des gens qui jouent à notre jeu, un Wistar Planet. Je vais vous montrer pourquoi maintenant. Alors, on va vous montrer ça tout de suite. Ok, alors nous sommes sur le nouveau thème, Spring Moon. Sur le nouveau thème Spring Moon, nous avons par exemple cette coupe-là. Hop. Nous avons par exemple cette coupe là. Et du coup cette coupe là, ben, elle est déjà connue de nos services entre guillemets. Alors cette coupe, elle s'appelle le nom s'appelle Spring Rituals, you know. Et apparemment c'est une nouvelle coupe, parce que quand on va dans toutes les coupes, en général les dernières ce sont des nouvelles et pas des entre guillemets reprises. Et du coup elle est là. On est bien d'accord, on rappuie dessus, c'est toujours Spring Rituals, c'est nickel, on adore, on kiffe. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans cheveux. Ah, je sais pas si c'est. Je crois que c'est coupe qu'il faut aller. Là, vous voyez, elle est juste là. Normal, c'est toujours la même. Y a pas de souci. Et là, on va aller à la page numéro 6. Et quoi? Toujours la même coupe. 575 Starcoin VIP comme l'autre. Lorsque vous cliquez dessus, eh bien, elle s'appelle Little Birdies. Le nom n'est plus le même. Donc en fait, ils ont recyclé une coupe sans la changer. Alors franchement, moi je vois aucune différence hein, entre ça et ça. Je suis désolée, mais c'est exactement un copier-coller quoi. C'est vraiment copier-coller. Moi quand j'ai vu cette vidéo là sur un channel anglais, d'ailleurs pas que un, il y a plusieurs vidéos anglaises qui sont déjà sorties là-dessus. J'étais là en mode what, mais franchement c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde. Encore, ça arriverait avec une seule coupe. Encore, ça arriverait avec une seule coupe. Je pourrais passer dessus. Je me dis, bon, d'accord, bon, ils sont trompés. Il y a eu un petit problème dans la matrice. Ils sont trompés dans les codages. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la première. Ensuite, pour les autres coupes, il me semble qu'il n'y a uniquement que des coupes, certes, qui sont pas forcément identiques à 100%, mais qui se ressemblent énormément. Et du coup, prochaine catégorie, cheveux longs, page 3. Où nous avons cette coupe là qui a un nom Bright Star et avec des petites étoiles. On remarquera que c'est une coupe qui vaut 450 Star Coin non VIP. Et ici nous avons bah, du coup trois couleurs possibles. Et ensuite il faut aller à la page numéro 13. Voilà. Et nous avons celle-ci, du coup la coupe est identique, mais nous n'avons pas les petites étoiles. Et là par contre, c'est une coupe Star VIP à 626 Star Coin, donc un peu plus cher et en plus VIP. Voilà, donc bon, c'est pas forcément la même chose à l'identique, hein, puisqu'il y a quelques petites différences, mais je trouve ça quand même assez... voilà quoi, j'ai envie de te dire, c'est limite presque la même chose. Bon, c'est vrai, ça change un petit peu. En ce qui concerne les cheveux courts, page 1, nous avons une coupe identique, sauf qu'il y a des nuances dans l'une et pas dans l'autre. Par contre, c'est quand même 4 diamants. Je trouve que là, en soi, franchement, si la coupe, elle aurait pas été, elle coûterait pas des diamants, ça m'aurait pas dérangé. Là, ce qui me dérange, c'est qu'on a quand même carrément la même coupe en non VIP. Certes, moins nuancée, mais qui est là quand même. Donc, je trouve que 4 diamants, c'est un peu une arnaque. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que les coupes qui coûtent des diamants devraient être originales, qu'il n'y ait pas de, entre guillemets, contrefaçon de ces coupes-là. Parce que dépenser des diamants, du coup, ça devient un petit peu obsolète, selon moi. Enfin, je sais pas, tu dépenses des diamants et au final, il y a des personnes qui vont payer en Starcoin et qui, ça se fait, ne sont même pas VIP. Qui vont avoir la même coupe que toi et qui vont peut-être même pas remarquer que toi, t'as payé 4 diamants. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que les coupes avec des diamants, certes, je suis pas fan. Moi, j'essaye quand je peux de ne pas payer en diamants. Il y a vraiment très peu de choses que j'ai en diamants puisque... Je suis pas grande fan de payer des diamants pour avoir des objets, des vêtements ou des coupes, mais là vraiment, là pour le coup, je suis un petit peu déçue par rapport à ça aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire encore une fois.
Après, c'est vrai, la coupe en soi, comme ça, elle est belle, elle est nuancée, etc., etc. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont remis en normal, en disant que la coupe en soi, elle était sympa. En plus, on n'a pas forcément beaucoup de cheveux courts qui sont stylés. Bon, là, c'est stylé. Bon, c'est pas ma préférée non plus, hein, en cheveux courts. Hein. Je trouve qu'il y a mieux en non-vip et en non-diamant. Mais bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Mais bon, voilà, quand même, pour en parler, voilà, faut en parler. Débattons-en. Alors maintenant, rappelez-vous du thème Dark Water, j'avais kiffé, j'avais fait même la vidéo sur Ariel, tout ça, je sais pas si vous vous en souvenez, moi j'avais kiffé faire les vidéos sur Ariel, sur l'homme sirène, etc. Franchement, c'était des vidéos très rigolotes avec des petits montages sympas, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne les avez pas vus. Mais bon, pour en revenir au sujet, ici nous avons une coupe sur la ligne numéro 3, la coupe numéro 3 de la ligne 3, qui est celle-ci, donc c'est 600 Star Coin non VIP. Et là, si on regarde bien, c'est A Whole New World, donc voilà. Et nous avons 4 possibilités de couleurs. Donc là, c'est... Bonjour. 4 possibilités de couleurs. Et si on descend, c'était dans les cheveux longs, il me semble. Cheveux longs. Page 8. 6, 7, 8... Voilà, nous avons à 500 Starcoin, donc 100 Starcoin de moins cher, une coupe qui lui ressemble, mais à une chose près, c'est que du coup, nous avons là, au lieu de 3 possibilités de couleurs, 4 possibilités de couleurs, nous avons 3 possibilités de couleurs. Alors en soi, certes, voilà, peut-être c'est ça qui justifie le prix, mais bon, pareil, hein, ça, c'est un copier-coller, juste que les nuances de couleurs sont différentes par rapport à l'autre, mais sinon... la texture, la coupe en elle-même, si on regarderait pas par rapport à la couleur, est exactement un copier-coller. Du coup, voilà, donc vous pouvez constater. Mais bon, après, voilà, ça va encore. Franchement, à la limite, ce genre de choses me dérange beaucoup moins que le premier exemple où vraiment t'as un copier-coller de A à Z, quoi. Là, ça me dérange un petit peu moins. Ça me dérange un petit peu moins qu'il y ait plus ou moins de nuances que... Par exemple, ouais, et ça me dérange aussi moins que l'exemple avec la coupe de diamants, parce que moi, les diamants, là, franchement, là, pour le coup, un petit peu déçu. Mais là, ça va, ça me dérange pas plus que ça, mais vous voyez quand même que c'est un copier-coller, c'était juste pour vous montrer pour l'exemple. Ah, d'ailleurs, cette coupe-là, elle était sympa sur l'image, mais sur la Movie Star, ça le fait pas trop. Mais bon, elle était sympa. Voilà, voilà. Pour le prochain exemple, il sera un petit peu différent. Puisque là, on va parler d'une coupe qui coûte 4 diamants, qui était pour le thème cerise, et qui ressemble à ça. Donc c'est un petit chapeau rouge avec... Enfin, chapeau rouge, on peut changer la couleur bien évidemment, mais voilà, c'est une coupe qui coûte quand même 4 diamants. Et là, tu te dis, bon, 4 diamants, c'est que ça doit les valoir, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'anguille sous roche. Expression de merde. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait une anguille sous roche. Enfin bon, voilà, donc c'est une coupe qui coûte 4 diamants, qui s'appelle Cherry Hat. Et là, lorsque vous allez dans tous cheveux, eh bien, vous retrouvez celle-là. Et là, vous allez me dire, Kenzel, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une coupe, mais il n'y a pas de chapeau avec. Attends, on va remettre celle-là, on va mettre exactement la couleur comme sur l'autre. Celui-ci s'appelle Cherry Look. Donc, il y avait l'autre, c'était Cherry Hat. Celui-là, c'est un Cherry Look. Et il coûte 475 Star Coin non VIP. Et là, lorsque vous allez aller dans les accessoires chapeau. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a exactement le même chapeau que sur la coupe qui coûte des Star Coin. Et lorsque vous cliquez dessus, ça fait exactement la même chose. Pareil en rouge, on va laisser comme ça vous voyez bien qu'il y a là, le même. Voilà. J'ai envie de te dire, là par contre, c'est chaud quoi. C'est chaud. C'est quand même prendre les gens pour des pigeons, parce que je suis désolée, mais tu mets c'était combien, 4 diamants je crois, 4 diamants, enfin pour moi diamants c'est comme si c'était du vrai argent en fait, et voilà quoi, tu donnes quand même du vrai argent pour avoir ces cheveux là, et au final tu te fais pigeonner parce que tu aurais pu économiser tes diamants et juste payer 600 Star Coin de plus, et ce n'est même pas VIP, donc tout le monde peut faire ça. Et tout le monde peut penser que du coup c'est un look diamant, alors que pas du tout. Et ça, je pense qu'il y a moyen de trouver d'autres moyens de contourner ça, du genre voir les coupes diamants ou peu importe d'autres choses, et pouvoir les remplacer par du non-diamant pour avoir soit l'identique, soit à peu près la même chose. Et ça, je suis un petit peu déception par rapport à ça, puisque franchement là c'est vraiment nous prendre pour des pigeons, faut dire ce qui est.
Bon, comment vous dire que pour cet exemple-là, vous allez dire Kinzhal, Sophie Pigeonnet. Bon, oui et non, ça dépend, la fille qui essaye de limiter la casse. Mais cette coupe-là, page 4 dans tous les cheveux, est-ce qu'elle vous fait pas penser à une autre coupe? Bon. Eh bien, vous allez aller à la page numéro 7 et vous allez tomber sur cette coupe-là. Et vous dites, oh, mais Kinzhal, c'est pas une coupe que t'as achetée? Oui, j'ai acheté cette coupe parce que je la trouvais super jolie. Et ben voilà quoi, hein, on va cliquer dessus et boum. Bon, on va quand même dire un truc quand même, c'est que bon, il y a quand même là pareil, hein, c'est exactement la même coupe, sauf que la couleur est différente, l'endroit des couleurs est différent, etc. Donc à la limite, on peut comprendre parce qu'elle est racine, machin, etc., etc. Oui, j'essaye de me convaincre moi-même en fait. Mais là, si on partait sur la même couleur, c'est quoi, c'est celle-ci. Et qu'on revient à la page numéro 3, où il y avait l'ancienne coupe. 3, c'était la 4, je crois. La 4, pardon. Vous voyez cette coupe-là qui coûte 5 diamants quand même. Et ben, vous reprenez celle-ci et vous prenez des couleurs. C'était laquelle? C'était cette coupe-là. Avec ces couleurs-là. Et ben, là par... merde. C'est pas exactement la même nuance. Est-ce que c'est celle-ci? C'est ça, je crois. Ouais, voilà. Vous prenez exactement les mêmes couleurs. Franchement, là, vous faites pigeonner. Puisque, du coup, vous auriez pu économiser vos diamants et prendre cette coupe-là qui coûte 350 star coins. Par contre, elle est VIP, celle-ci. Mais voilà, si vous prenez pas la coupe à la page numéro 7 avec les racines, on va remettre les racines. Mince, qu'est-ce que je veux faire? Je fais des bêtises. Mais si vous vouliez pas avoir des racines, voilà, vous faites pigeonner. Par contre, si effectivement c'est swag d'avoir les racines, voilà, comme ça c'est mieux, et ben. Oui, là ça vaut le coup. Mais je pense qu'il y a même certaines personnes qui ont pris cette coupe-là en diamant, peut-être en bouchant les racines. En bouchant les racines, ça se bouge pas les racines, Kinzhal, qu'est-ce que tu racontes? Vraiment n'importe quoi cette Kinzhal. Bon, des coupes qui se ressemblent, qui s'assemblent, etc., etc. Il y en a pas mal. Sauf que moi, pour les exemples, je vais m'arrêter là parce que j'aurais repris les exemples de la vidéo anglaise. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là dans la description, puisque dans sa vidéo, vous allez voir qu'il y a encore pas mal d'exemples qu'elle montre. Il y a plusieurs exemples. Moi, je veux pas voler son travail ou quoi. Du coup, je vous invite à aller voir sa vidéo. Je vais vous mettre son lien et aller voir, franchement, parce que c'est super intéressant de se voir, de voir comment on peut se faire pigeonner par Movistar. C'est moi, je savais pas. J'ai vu cette vidéo, je suis là, mais what, carrément. Carrément. On se fait pigeonner. On paye de l'argent, du vrai argent, et on se pigeonne derrière. C'est pas très cool, hein, tout ça, Movistar, hein, Planète, hein, si tu passes par là. Hein. C'est pas cool du tout, hein. Franchement, c'est pas cool, hein. La fille qui s'énerve. Enfin bon, je vous invite fortement à aller voir sa vidéo, parce que franchement, il y a de quoi voir. Surtout, franchement, moi, pour moi, l'exemple qui m'a le plus choqué, c'est surtout le premier, hein, puisque c'est carrément un copier-coller, même couleur de cheveux, etc. Hein, c'est vraiment un copier-coller. Mais allez voir, parce que ça pourrait vous montrer plein d'autres coupes. Moi, j'ai regardé du coup la vidéo jusqu'au bout. J'ai vu un petit peu les autres coupes. Il y a encore des coupes diamants, etc. Qui sont des copiers, etc. Voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo. Si vous avez vu des cheveux qui ne sont pas dans ces exemples à elle encore, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que je puisse aller voir tout ça. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un prochain live. Gros gros bisous. Ciao, ciao.